Le programme scientifique du Vescusat, c'était de développer une potentielle constellation de satellites pour pouvoir faire des observations de variables climatiques essentielles. Le suivi du déséquilibre énergétique de la Terre est essentiel, car c'est lui le réel moteur du réchauffement climatique. C'est l'enjeu du 21e siècle, et nous on l'a compris depuis un moment, vu qu'on est impliqué dans cette thématique scientifique depuis plus de 20 ans. Donc en 2020, en discutant avec des personnes de l'ONERA, on s'est dit, bon ben on va fabriquer un deuxième satellite, alors que UVSQSAT n'avait pas été lancé. Et donc UVSQSAT a été mis en orbite le 24 janvier 2021. Et ensuite, on a travaillé de manière intense sur la mise en œuvre du satellite InspireSat. Et l'idée, c'était d'essayer de faire mieux. La mise sur orbite de ce deuxième nanosatellite de l'UVSQ constitue un événement majeur à plus d'un titre. La conception, la réalisation et le déploiement d'InspireSat 7 est un exploit technique auquel l'OVSQ est fier d'avoir contribué. On est désolé, hein. Moi j'ai appris la nouvelle à 4h du matin. Donc, on discute avec le 18e escadron de l'armée spatiale américaine. Et comme on est sur une base militaire, il y a eu un petit décalage. Le lancement est reporté à demain matin, même heure. Alors la préparation et la mise en orbite d'un satellite, c'est quelque chose de complexe. Hein. Pour ma part, c'est stressant. Donc, à titre d'information, la mise en orbite d'InspireSat a eu lieu le 15 avril 2023. Mais moi, je travaille sur ce dossier de mise en orbite depuis 2021. La première étape, c'est déjà sélectionner un lanceur. La deuxième étape qui est très anxieuse, c'est qu'à un moment, je dois livrer le satellite à l'autorité lanceur pour pouvoir l'intégrer au niveau de la coiffe du lanceur pour un lancement en janvier 2023. Pour des raisons de calendrier côté lanceur, tout a été décalé. Et puis nous allons assister au lancement. Alors, première étape de stress qui est vraiment là, on va entrer dans un stress beaucoup plus intense, c'est que initialement on devait partir donc le 1er avril 2023. Le tir a eu lieu le 15 avril 2023, soit 14 jours plus tard. Donc c'est un stress additionnel parce qu'il faut gérer les équipes, préparer les opérations et puis on est dans l'attente. Parce que quand un satellite est lancé et mis en orbite, il faut rapidement avoir les personnes opérationnelles pour pouvoir récupérer les données. Donc pendant 15 jours, nous sommes restés sur le qui-vive. Bon, le jour J, lorsque le lancement a lieu, on va avoir un stress qui est encore plus important. Launch structure on countdown one. Hold, hold, hold. Now, as you heard on the nets, the launch director did call a hold, hold, hold on the countdown today, and that was due to weather. We have been keeping an eye out on that. I'm at 11:48 p.m. Pacific time. As always, thanks for watching. We hope to see everyone back here for our next attempt. Un des paramètres qui est clé grâce au satellite, c'est qu'on va pouvoir à un moment avoir un suivi de l'évolution de ces paramètres au cours du temps. Et ce qui est très important, c'est d'avoir une meilleure maîtrise du lieu et des zones d'émission des éléments. À partir du moment où on détecte les sources d'émission des gaz à effet de serre, on peut imaginer beaucoup de choses. Et comme nous avons deux satellites qui sont à des orbites différentes, on va pouvoir observer ces variables à des périodes différentes. Donc tout l'intérêt du VSQSAT et d'InspireSat dans les observations conjointes, c'est de pouvoir anticiper la mise en œuvre d'une future constellation de satellites qui permet de répondre à des besoins liés à des questions clés comme la problématique du réchauffement climatique. Les grandes missions majeures de l'ESA ont une contribution très très modeste des étudiants. L'avantage des nanosats, c'est que les étudiants et tous les personnels peuvent être impliqués de manière vraiment complète. Hein. Donc il faut aussi donner du sens aux choses. Et en regardant un peu l'évolution de la société, mais aussi des étudiants que l'on voit passer, on s'est rendu compte que les gens avaient besoin d'être connectés avec de la matière.
Et le fait de fabriquer un satellite qui répond à un besoin sociétal et environnemental, ça a du sens pour eux. Bon, on est en Californie là. Croisez les doigts. Je te laisse faire un décompte. C'est à nouveau pour moi une réussite parce qu'on crée aussi parfois des vocations. C'est quelque chose que l'on a réussi à faire une fois, puis une deuxième fois, et on est en train à nouveau de le refaire. C'est le président. On va faire un décompte avec vous. Donc cela montre qu'on n'est pas sur un coup de chance, mais sur une maîtrise des activités. Et notre signal qui est envoyé aussi, ce sont les compétences. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, partez. Go! Et ben on y est là, c'est parti. Ça s'allume, c'est fini. C'est à ce moment-là qu'il y a une émotion, et cette émotion, elle est partagée par tout le monde. Et ça, c'est un événement unique.